Combien tu dois? 80 000 $ 80 000? Là, c'est sûr que si tu disais qu'une face de même, ça a l'air beaucoup. Là. Hey, David. T'es 45 minutes en retard. David's life was going nowhere, but he's been given a chance. J'enseigne. To make a change. Parce que c'est la plus belle chose qui peut pas m'arriver. T'es absolument incapable d'élever un enfant. Je veux de l'ordre dans ma vie. Je trouve que ça, c'est de l'ordre. Je vais te convaincre que je mérite d'être le père de cet enfant-là. T'as aucune marge de manœuvre. Pendant combien de temps? Toujours. The only problem is, something from his past just might get in the way. David Wozniak. Entre 1988 et 1990, vous avez donné du sperme sous le pseudonyme de Starbuck. Vous avez donné 693 fois sur une période de 23 mois. Vous êtes donc le géniteur de 533 enfants. Y'en a soi, David Wozniak. Y'en a soi, Starbuck. Y'en a soi. Ils veulent savoir qui est Starbuck. Tiens, c'est le profil de 142 de tes enfants. Regardez un dossier. Un. À ça. Riccardo Donatello. Now, he wants to learn who they are. Without revealing his secret. David, en tant qu'ami, va plus voir tes enfants! Miam-miam! T'as-tu dit miam-miam? Ouais. On dit pas ça, miam-miam! This spring, discover the movie audiences and critics are falling for. Why? A story about one man's journey to becoming a reproductive member of society. C'est qu'il y a pas de loi qui oblige Starbuck à se révéler. Et au-delà des lois, il y a autre chose. Tu ne veux pas te dévoiler. Qu'est-ce qu'une personne normale ferait dans cette situation-là? Une personne normale ne serait pas dans cette situation. Qu'est-ce que tu penses de ça pour l'affaire Starbuck? Non, c'est un pervers. Il n'y a pas d'autre monde, c'est un pervers. C'est pas un pervers. Oui, c'est un pervers. C'est pas un pervers. Starbuck. Je peux vous aider? Avez-vous un modèle de poussette pour 533 enfants?